Yo tout le monde, c'est Louis. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur PES 2019 France-Chili. Sur ce, bon visionnage. Bonsoir et bienvenue parmi nous. C'est une magnifique soirée vraiment pour jouer au foot. Des conditions de jeu parfaites. Ce stade est magnifique. Et ça tombe bien car le coup d'envoi de la rencontre va être donné dans quelques instants. Le temps pour chacun des joueurs de finir de se préparer. Pour les entraîneurs d'aller s'asseoir sur leur banc. Et pour nous de vous communiquer les compositions des deux équipes. Juste un qualificatif pour ce stade. Magnifique. Et pour ceux qui ne le connaissent pas, voici l'hymne du Chili. Voici l'hymne national de la France. On devrait donc avoir une attaque à 3. Ça peut être très efficace, surtout quand vous avez des joueurs rapides et techniques sur les ailes. Après, ça nécessite une bonne entente entre les ailiers et les latéraux pour qu'ils puissent bien combiner et compenser. Mais quand les latéraux montent, ça permet aussi aux attaquants excentrés de repiquer dans l'axe. Le match commence.
Lemar. C'est bien ce qu'il fait là. Il y a peut-être un coup à jouer. Oh, quel geste! Lemar. Il s'échappe. Fekir. Oh oui, c'est dedans. Le match vient de débuter, mais lui, il est déjà bien présent. Et oui, tout repose sur la détermination. C'est ça, les grands joueurs. Quel enchaînement imparable pour le gardien. Non, on ne s'attendait peut-être pas à une ouverture du score si rapide dans ce match. Il est passé. Il ne se pose pas de questions. Pas le temps de se lamenter, c'est déjà récupéré. Fekir. Mbappé. Le bon dribble. Il a tenté, bien joué. Mbappé. Et le gardien repousse, c'est parfait. Dommage, c'était pourtant bien tenté. Premier corner dans cette rencontre. C'est dégagé. La France qui cherche l'ouverture. Superbe intervention contre un joueur qui part en dribble comme ça, il faut pas se rater. Ça s'est bousculé un peu trop dans la surface là. Difficile de réussir son tir dans ces conditions. Pour Lemar. Le débordement à droite. Il est passé. Dans la surface. La belle interception. Il y a danger. Oui, oui, il était hors jeu. Oh non, superbe passe sans contrôle. Ça méritait d'aller au bout. Le long dégagement du gardien. L'ouverture lumineuse. David Pizarro. La France qui est parfaitement rentrée dans sa rencontre. Lorsqu'on marque rapidement comme ça, ça donne beaucoup de confiance à l'équipe. Ah, il a essayé, mais ça n'a pas fonctionné. Lemar. Jolie accélération sur l'aile droite. Il progresse encore. Oh, il continue son festival. Lemar. Et il adore provoquer son vis-à-vis. Il est plutôt pas mal dans cet exercice. La défense passe vraiment un sale quart d'heure avec lui. Il faut le surveiller de plus près. Il s'impose physiquement pour récupérer ce ballon. Mendy. Il allonge vers l'avant. C'est bien, conserver sa lucidité maintenant. Le bon dribble. C'est bien fait ça. Fekir. Le contre, l'arme fatale. Il joue dans l'espace. La passe est précise. Il y a peut-être un coup à jouer. Ils étaient en infériorité numérique, ils s'en sortent bien. C'était intéressant cette action. Dommage qu'il n'ait pas pu aller au bout. Pour Lemar. Et pour lui, attention. Bien servi. Il était bien hors jeu. Ah là là, ça se joue à pas grand chose sur cette passe directe.
Mbappé. Il glisse le ballon en profondeur. La bonne passe. Ce contre peut très bien aller au bout. Il tente de la jouer dans le passe. Il est passé. Mendy. Quelle passe. Oh, voici Fekir. C'est joué long, attention. Et c'est dégagé. Mbappé. Oh, ça s'est bien parti, ça peut faire mal. Elle continue sa course. Il a pris tout le monde de vitesse. Il est à distance de tir. Oh, le bon ballon. David Pizarro. C'est joué long. Faut que ça va partir vite. Tactiquement, c'est quand même pas mal ce qu'ils essayent de faire. De passer par les ailes, vous voulez dire? Oui, mais... Loris, la parade exceptionnelle. Et l'arrêt, magnifique. Quelle classe, c'était un arrêt extraordinaire. Pogba à droite. Il s'enfonce côté droit. Dans la surface. S'il le trouve, ça peut être extrêmement dangereux. Mbappé. Quelle inspiration! Le bon jaillissement. C'est joué long, c'est dangereux. Ah, ça n'a pas pu aller plus loin. Il cherche son coéquipier. Avec Fekir. Fekir ! Oh, c'est un arrêt important, ça ! Et ça, c'était pas facile à arrêter, croyez-moi. C'est dégagé, loin devant. Mendy. Grosso cas, Griezmann. Un tir trop mou. Il avait pourtant bien contrôlé le ballon, mais il était peut-être trop impatient de tirer. C'est dommage. Coup de sifflet, fin de la première mi-temps. Les deux équipes regagnent donc les vestiaires avec ce petit but d'écart. Rien n'est donc joué dans cette rencontre. Le jeu est fluide, les joueurs se sont bien trouvés lors de ces premières 45 minutes. Espérons pour eux que ça continue comme ça. La France, qui est donc devant, a mis parcours dans cette rencontre, avantage d'un petit but. Allez, on est reparti. C'est vrai, mais tout peut aller si vite. Ils devraient continuer à pratiquer le jeu. Ça leur a bien réussi jusqu'ici. La passe dans la profondeur. Il s'impose physiquement dans ce duel. Le centre tendu. Fekir. Et il continue de progresser. Il joue dans l'espace. Le bon dribble. Oui, il peut y aller seul. Il y a danger. Va-t-il en... Ça peut faire mal. Et il y avait de l'idée. Et ça rentre. Oh, maintenant, ça va être difficile de les reprendre. Qu'il est fort pour sentir ces coups-là. Quel attaquant est très opportuniste, oui. Mais quelle maison de tente de la défense. C'est le bazar. Et le doublé.
c'est reparti sur ce score de 2-0. Alors là, c'est un but qui fait du bien. À 2-0, ils peuvent voir venir. Il est passé. La tentative. Il décide d'allonger le jeu. Voilà une bonne occasion de contre. Il y a peut-être un coup à jouer. Il s'est récupéré facilement. Pogba. Fekir, qui aimerait sans doute avoir un peu plus de liberté. Bon, il a déjà montré de quoi il était capable. Alors là, il se méfie. Dubois. Pour Lemar. Il est passé. Mbappé. Nouveau but dans ce match. Voilà, qui met sans doute un terme définitif à tout suspense. Il était tellement bien placé, forcément, ça va au fond. Non mais qu'est-ce qu'ils font là? C'était le seul joueur à ne pas oublier dans la surface. Je sais pas moi, mais faites-vous des antisèches, les gars. Le match reprend 3-0 au tableau d'affichage. Le bon dribble. Le 1 contre 1. Oh, c'est chaud là. Oh, l'aspiration. Renvoyé par le poteau. Le gros dégagement. C'est bien donné. Griezmann. C'est au fond des filets. Ça commence à faire lourd et je ne suis pas sûr que ça va s'arrêter là. Quelle précision, le gardien ne pouvait rien faire. Sur ce genre de frappe, il n'y a qu'une chose à faire, applaudir. Bravo. Un peu de coaching, c'est bien. Il y a un monde d'écart entre ces deux équipes et encore, je suis gentil. Ça manque de soutien. Neymar. Il a trébuché sur cette intervention. Ça peut partir en contre. Quelle séquence de passes. Collectivement, c'est parfait. C'est joué long. Attention. La porte. Il se recentre. Il est passé. Dans l'axe. C'est reparti, ils peuvent contrer. C'est osé. Ça sent la frappe, la passe interceptée. Alexis Sanchez. Je me disais, Grégoire, ils défendent souvent en nombre dans l'axe, non? Et vous disiez bien, Darren. C'est sans doute pour anticiper les centres adverses. La force vient parfois du nombre. Bon, c'est une stratégie comme une autre, après tout. Vous avez raison. Kimpembe. Pogba qui a un peu d'espace. Le jeu repart vers la droite. Ça passe à droite. La défense bien présente. Il tente de la jouer dans l'espace. Et c'est récupéré encore une fois.
La France qui effectue un changement. Il était fini, crevé, carbo comme vous dites. C'est clair qu'il fallait le faire sortir. En dribble, c'est bien fait. Pour trouver la faille dans la défense. Oh, si ça passe. Griezmann, bien servi sur le côté. Il est bien placé. Oui, il peut frapper là. Mbappé. Geoffrey Kondogbia. Mbappé. Il y a peut-être un coup à jouer. Neymar. Oh oui. On est au-delà de la domination. C'est une réelle humiliation. Allez, je propose qu'on arrête le match là. C'est un massacre. La France qui procède à un autre changement. Et c'est par surprenant, il avait l'air de tirer la langue. Un peu de sang frais, ça va lui faire du bien. Et désormais, ils ont l'air intouchables. Vidal. C'est un bon mouvement. Il glisse le ballon en profondeur. Allez, c'est dangereux. Ça ne passe pas. Sidi B qui est récompensé de son pressing. Faut que ça va partir vite. Il récupère le ballon, c'était un bon pressing. Le Chili qui peut avancer, allez. La passe dans la profondeur. Il tente de la jouer dans l'espace. Le drapeau ne s'est pas levé. Dans la surface. Attention. Et cette rencontre qui se termine, score de parité, c'est pas un mauvais résultat hein, vu le déroulement du match. On l'a senti dès le début de la rencontre, ils étaient là aujourd'hui pour attaquer, pour marquer, pour faire une vraie différence. Ils y sont parvenus avec maestria. Alors, votre analyse sur cette rencontre? Il faut surtout retenir leur efficacité redoutable. N'oubliez pas qu'ils ont marqué sur le tout premier tir. Ça met en confiance, forcément. On est malheureusement obligé de se quitter maintenant, Darren. Merci d'avoir vécu ce match à mes côtés. Très belle soirée à vous tous. À très bientôt. C'est toujours un bonheur. Donc voilà, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Abonnez-vous, mettez des likes et activez la cloche de notification. Ciao tout le monde!